Alors, Scriba, c'est une prestataire informatique qui a 35 ans d'âge. C'est 750 collaborateurs depuis le rapprochement avec le groupe OCI et répartis sur la France entière. Voilà, et 100 millions de chiffre d'affaires. Et votre métier, c'est quoi ? Alors, les métiers, métiers de revendeur de matériel, l'installation de ces matériels-là, et également la maintenance et l'infogérance de tout ça. Voilà. Alors concrètement, le lien avec Sage, c'est quoi ? Le lien avec Sage, ça a d'ailleurs depuis 20 ans. On a énormément de clients experts comptables qu'on a accompagnés au fil des années sur la mise en conformité de leur système d'information avec les prérequis Sage. Voilà. Alors par exemple ? Par exemple, c'est la mise en place des serveurs, des bons postes de travail, l'hébergement aussi actuellement, et avec permettre justement au cabinet de se sortir un peu de l'informatique et travailler vraiment pour leur métier. Et nous, on fait toute la partie infogérance et mise en service et sécurité. Tout à fait. Alors l'hébergement déjà est une première brique pour sécuriser et puis externaliser et donner accès en fait à ce système d'information de partout. Et également avec des outils comme la messagerie, Office 365, et des outils comme OneDrive qui permettent en fait au cabinet de partager des données en manière sécurisée avec l'ensemble de leurs clients ou avec un client en particulier. Teams est un bon exemple aussi de la suite Office 365 qui permet en fait à chaque collaborateur de créer un environnement d'équipe de travail sur lequel on pourra stocker des données, partager et faire de la visioconférence si on veut. Alors du point de vue technique, et puis on s'appuie bien sûr sur Microsoft, sur la sécurité, et beaucoup d'accompagnement, transfert de compétences sur l'utilisation de ces outils, parce que effectivement c'est relativement neuf et ça change complètement la façon de travailler des cabinets. Bah déjà, ça lui soulage en fait d'avoir des collaborateurs qui, à l'ancienne, passent beaucoup de temps à faire les mises à jour des applicatifs, à sécuriser l'infra, à créer les comptes. Donc là, on fait l'infogérance et eux, ça leur permet de se dédier à leurs clients et créer des environnements de travail avec leurs clients, proprement dit, sur du partage de fichiers, sur de la visioconférence, de la réactivité, tout en étant sécurisé, quoi. Prédictif, c'est-à-dire le coût est prédictif puisque c'est souvent quantifié à l'utilisateur, au collaborateur. Facilité, ces outils aujourd'hui qu'on retrouve un peu partout dans le domaine grand public ou professionnel, sécurisé et ouvert à la mobilité aussi, ouvert partout, quoi.